Avec la petite musique. Oh, c'est calme. Les oiseaux et la petite musique. Mais c'est quoi ça? C'est trop magnifique, il faut absolument qu'on se fasse un lever de soleil là. Maman, le soleil c'est doit quoi se juste... ça? L'étendue d'herbe là, je sais pas, chérie, ce qu'il va en faire. Peut-être rien, c'est peut-être juste pour faire joli. Trop beau. Alors bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau vlog à Cancun, pardon. D'habitude, c'est pas un Cali vlog. Je suis désolée, je suis pas hyper frais. Oh, c'est pas mon enfant. Ceci n'est pas mon enfant. Je suis désolée, je suis pas très fraîche parce que déjà, bah, je vais pas me maquiller parce que bah, je vais me baigner. Et puis parce que dans ma tête, il est 5h du matin. Il est 8h, mais on a bien dormi. Hein. Il est 8h, on s'est couché à minuit. Bon, ça va. Lana, en temps normal, elle dort plus que ça, mais bon, ça va. Elle s'est bien réveillée. Elle se lave les chicots, elle a mis sa robe d'Hawaï. Et voilà, donc là, le matin, ça va être... on va manger pour se réveiller, parce qu'il y a besoin. On va réserver notre test PCR pour rentrer à la maison. On le fera samedi, parce qu'il faut qu'il ait moins de 72 heures. On va essayer de voir si on peut faire une excursion, on va essayer de voir si on peut faire un massage à un moment donné, notamment aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je pense que ça va être journée à l'hôtel. Il fait un temps de fou, on a trop de chance, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah mais c'est pas une saison pas terrible pour y aller niveau météo » et en fait on aura normalement zéro pluie de tout notre séjour alors qu'il y a eu des orages la semaine dernière et qu'il y en aura mardi, genre le lendemain où on part. Franchement, entre l'anniversaire de Lana, mon semi-marathon, c'est où qu'on est parti, Santa Barbara, Universal. Franchement, ouais, j'ai un bouton là, horrible. Franchement, on a un bol avec la météo, c'est un truc de malade. C'est pas notre genre en plus. D'habitude, on a toujours la poisse niveau météo. Et là, c'est... Nico qui se lave les chicots, on voit rien. Ouais, dehors. Du coup, on rencontre les voisins parce qu'on est tous dehors sur le balcon. C'est tellement agréable. En plus, on met la petite musique, c'est trop bien. On n'est pas à Hawaï là chérie, ça marche pas à Hawaï ici. C'est trop belle. Qu'un que. Mexico, Mexico. Bref, on va aller se décomater devant un petit déj. On va faire que bouffer un peu dans 6 jours. Cata. En fait l'hôtel il est donc il est pas bien vieux et il est vraiment au milieu de la jungle quoi. Incroyable. Vraiment incroyable. Bon, on a notre test Covid de prévu et on est en train de réserver les activités. On va aller faire ça, regarde. Ouais, mais c'est pas la saison de retirer un balai de fidélité. Oh, regarde, oh, je veux voir un rêve, moi. On va faire ça en sans coba et on va aller voir les tortues demain. Demain, on va aller voir les tortues une semaine. Et aujourd'hui, on va faire la piscine. On va rester ici parce que de toute façon, il est trop tard pour partir en excursion. Parce que demain le réveil va être tôt. Ouais, c'est sympa ça. Oh, moi je vais voir que des autres. Sorry for the delay. Ouais, mais c'est un peu tôt là, Lana. Bon, bah c'est aussi joli de jour. Hein. Oh mon dieu, le soleil. Bon, allez, on va manger parce que là, ça a pris pas mal de temps. On n'a pas bouffé pour la plongée parce que le tour ouvre à. Enfin, les gens qui organisent ouvrent à 9h. Donc on va revenir tout à l'heure, on va manger, puis on va revenir bouffer pour essayer de plonger avec Nico. Quand même, ce serait cool. Et voilà. En tout cas, on a la journée de samedi pour l'instant. De demain. Avec les tortues. C'est bien, et ils sont en vacances, les gens, tu sais. Puis ils ont décalage horaire. Il y a un peu de soleil. Ouais, ça éclate. C'est tout le. On reviendra pas. Ça suffit, Nicolas. Ça suffit. Allez, on a au petit déj. Regarde là. Oui, j'ai vu, chérie. Là, il y a des œufs. Oh mon dieu. Elle est salée. C'est pour Nico. C'est mon chignon. Oh bah c'est parti, hein. Oh là là. Bon, oh, ben voilà. Moi, ça va partir en France. Oh, il y a des pancakes. Oh mon dieu. Il y a des pancakes, Lana. Là, il y a une espèce d'omelette avec plein d'œufs. Thank you.
dégustation de jus. Maintenant, il faut savoir quel jus correspond à quoi. Et là-bas, il y a du jus d'orange. Ils sont en train de remettre deux. Oh là là, ça a l'air trop bon. En fait, c'était écrit là, en fait. Voilà. Trop bien. Bon, voilà, j'ai pris pain au chocolat pancake, jus d'orange, chocolat chaud. Anna, elle a pris des fruits, elle est repartie, elle cherche du salé et du riz. Au bout du coup, ça va en trouver. Alors, avec son père, il se connaît mieux dans le rayon salé. Et voilà, prend des forces pour une journée qui s'annonce sympa, tranquille. Voilà. Est-ce que vous êtes team Cesse, sucré à fond, ou team Nico? Elle est belle son assiette, hein. Elle est plus instagrammable que la mienne, hein. Qu'est-ce que c'est, Lana? Ça avait beaucoup de trucs. C'est des bonbons à la gaufre? J'ai des gaufres aux bonbons. On a tout l'air de ça. Là, les bonnets, les gens. Ça se régale par ici. Nous avons une danse du chocolat chaud de bon matin. C'est marrant. T'as vu ça? Bon, il est 11h16, on n'est toujours pas allé se baigner parce qu'on a réservé la plongée, le snorkeling, le massage, la babysitter pour Lana quand on plonge parce qu'elle ne peut pas venir avec nous. On a hâte. Quel est son niveau de plongée? Là, ça commence à 10 ans. L'année prochaine, on lui fait passer ça, comme ça elle peut venir plonger avec nous. Ce sera plus sympa parce qu'on sera ensemble. Et puis ce sera plus pratique parce que là, la babysitter à 7h du matin, demain apparemment c'est compliqué. On espère que ça va aller. Et bref, du coup on va aller à la piscine, la pauvre, elle attend ça depuis ce matin. Mais bon, au moins c'est tout planifié, on a tout notre séjour planifié. Donc demain c'est plongée, on a dû décaler les dates parce que la plongée qu'on voulait faire, il faisait pas le samedi. Puis comme on prend l'avion, on peut pas plonger trop près de l'avion. C'est, enfin, c'est des problèmes existentiels. Non, c'est pas des problèmes existentiels, mais ça a pris vachement de temps. C'est pour ça qu'il est quand même 11h15 et qu'on a toujours rien fait. Alors qu'on s'est levé à 8h, regarde là. À un moment les fontaines elles vont se remettre en route, tu vas m'en faire la maline. Allez bref, voilà. On va tester les toboggans aussi. T'as testé les toboggans, Lana? Non, mais elle aime pas les toboggans, là. Tu peux enlever ton masque, chérie, dehors. Des toboggans, je suis allée voir la plage, une petite activité sur la plage, on peut acheter, ça dépend les tailles, mais c'était 10 balles la petite, une petite tortue en céramique, ah, oh oh. Et la main elle peut la peindre et demain elle est brûlée pour être comme à faire une main, c'est pas grave, chérie. Voilà, c'est cool, hein, c'est d'autres enfants. Du coup, on fait un petit tour sur la plage pendant que Lana fait sa tortue. Alors, la plage, elle est bien sympathique. Ils ont mis des tipis là pour que les enfants ils puissent les peindre. Mais l'eau, elle est toute pourrie. Il y a des algues. Ah, désolé si y a le bruit du vent. Ah oui, pour la babysitter, ouais. On peut faire voilà, ça, là, apparemment. Ah, là, je suis désolée si y a le bruit du vent, mais voilà, l'eau, elle est clairement pas turquoise. On n'est pas sur une mer, hein. On n'est pas sur un petit lagon, on est sur des algues comme ça. Je sais pas si c'est mauvais de se baigner dedans, mais il n'y a personne dans l'eau, donc on va éviter. C'est sympa l'animation qu'ils ont fait avec les tentes.
Nico, toujours à la pina colada. C'est le deuxième. Ah bah bravo, la merlotte c'était hier soir. Depuis hier. Oui, voilà. Hein, calmons-nous. Bref, voilà. Et là, c'est la jungle. Là, tout là, c'est la jungle. Ils ont vraiment coupé, ils ont fait le truc. Et... Après, c'est la jungle. Là-bas, ça construit à fond, au fond. Et voilà, c'est sympa, hein. Il y a un beach volé. Ouais, les petits tipis. C'est joli, hein. Ouais, regarde comme c'est beau, ça. Là, il y a des matchs de foot un peu spéciaux. Avec des buts gonflables, surtout gonflables. C'est marrant, ça. C'est marrant, là, il y a des petites cabanes. Je crois qu'il faut payer pour avoir ça, par contre. Ouais, sympa, hein. Donc voilà, là on est rendu au bout de l'hôtel, donc là il y a la construction. On voit bien la différence de gestion d'algues, hein. Et d'ailleurs ça sent pas très bon là, arrivé ici. Tout le long ça sentait pas, mais là ça commence à sentir. Voilà, écoutez c'est pas trop mal, hein. Il est pas mal du tout cet hôtel. C'est cool. Est-ce que c'est tout neuf ou est-ce que ça a été construit et laissé à l'abandon? Est-ce que ça a été quoi? Est-ce que c'est tout neuf ou est-ce que ça a été construit et laissé à l'abandon? Mais non, mais c'est en train d'être construit, Nico. Celui le nôtre, il est tout neuf, hein. Il vient juste d'être fini, hein. D'ailleurs, quand il y avait les vidéos, quand on a réservé, c'était même pas fini. Mais celui-là, ils ont construit, ils ont fait pause. Non, c'est en construction. Et ils ont fini la base, là. Enfin, je sais pas, en fait, j'en sais rien. On verra. Mais ouais, ça pue ici, là. Ouh là là, heureusement qu'on n'a pas la chambre qui donne là. Ça, je mouffe un peu. Nicolas, je suis en train de filmer. Sera pas... Ah, ça ira dans le bêtisier, on a beaucoup de séquences au bêtisier aujourd'hui. L'enfant est là-bas, elle est juste là, hop. Elle fait sa tortue, ça fait une heure qu'elle est dessus. C'est bien, elle est à un âge où elle peut rester une heure à faire la même activité sans broncher. On a eu le temps de faire notre tour de la plage, se trouver des transats. Il y a un gentil monsieur qui est venu nous demander ce qu'on voulait boire, donc du coup j'ai dit que je voulais un Virgin Mojito. Et elle demandait comment est-ce ça. Comment est-ce que tu as parlé sur la commerce? Comment est-ce que tu as parlé? 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 Il y a des petits restes, hein, du lycée, très très loin. Celle-là, on peut la prendre. Après, on dit gracias, muchas gracias, ça c'est bon. Ils sont tous adorables. Franchement, le personnel est incroyable. Donc bref, il va nous ramener nos petites boissons, c'est trop... Enfin, le fait que ce soit tout inclus, ça fait bizarre parce que c'est comme hier, on a fini de manger au restaurant, on fait « Ah bah en fait on peut partir, il n'y a pas besoin de demander l'addition. » Bon, il y a des petits trucs qu'il faut payer, si on veut une bouteille de vin, il faut payer, sinon l'alcool et tout c'est inclus. Là, genre le truc de céramique de l'ANA, si on va acheter des objets, évidemment c'est payant. Tout ce qui est massage, on a payé. Les activités, les excursions, on a payé. Mais sinon, si tu restes que dans l'hôtel à faire les activités proposées par l'hôtel, à part les petits lits à baldinquin et machin, c'est... Si tu veux, 32 pina colada. C'est gratuit. Ça passe. Voilà. Du coup, il est à fond dans les pina colada, tu vois. Non, mais genre en fait, là, il n'y a qu'un seul cocktail que tu peux demander quand t'as... Non, moi, j'ai demandé un Virgin Mojito. C'est mexicain aussi, Mojito. C'est connoté mexicain? Non, c'est connoté espagnol. Mojito, c'est espagnol. Bah... Bon, bref, on est un peu nuls. Hein. Alcoolique. Bref, écoutez, là il est déjà plus d'une heure, hein, là, l'enfant ne s'arrête plus. Ouais, il est 1h10, on va peut-être aller manger après, mais on a mangé assez tard, donc voilà. Et puis voilà, écoutez, un petit DJ là-bas qui fait de la musique. Et bah, je vous prends pour la suite de la journée. Bon, pour le repas, on est retourné au même resto. Mais la différence. Lana, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une énorme tyrolienne. On va faire, c'est pas une tyrolienne, ouais, je sais pas comment on appelle ça, une tyrolienne. On va faire le mur d'escalade et la tyrolienne.
la tyrolienne parce que c'est 1m40 minimum. Donc Lana est 1m28, donc ça va pas. On a profité de la piscine et des toboggans. Et Lana vient d'aller faire un petit tour sur la plage en attendant d'aller au massage. J'ai joué et après j'ai trouvé ça. Waouh. C'est un petit fossile. C'est un corail. Magnifique, hein? Ouais. C'est trop beau. T'as pas froid, ça va? La température, elle est tellement parfaite. Ça se couvre, là, il y a du vent maintenant. Il y a plus de vent que tout à l'heure, mais il fait tellement bon. Et il y a tellement moins d'humidité que la dernière fois. C'est tellement beaucoup plus agréable. Trop joli. Bon, voilà l'espace où on attend notre tour pour se faire masser. Est-ce qu'on en parle de la beauté de l'endroit? Bon, c'est que du fake, hein. C'est une vraie roche, quoi. Mais c'est trop beau. Et là, il y a quelqu'un. Attention, c'est... Ah, c'est trop beau. Hein. C'est trop beau, hein. Est-ce que c'est beau, ma chérie? Tu n'as pas demandé de changer? Bah non. Oh là là, c'est magnifique. Il y a une petite rivière, là. Est-ce que c'est beau? Mon Dieu. Trop beau. Et bon, voici notre petite pièce à Lana et moi. Nico, il est séparé parce qu'il n'y a pas des pièces de trois. Il faut qu'on se déshabille, qu'on reste en culotte et qu'on mette notre petite tête là-dedans. 50 minutes de massage, relaxation. Voilà. Ça, c'est le kiff. Je le dis à chaque fois, mais je... C'est la dame. Oui, parce que... Lana, ouais. Lana, elle voyage pas léger niveau des dudes. Pas trop dépaysé là. Donc, bref, on vient de faire notre massage. Ah non, c'est moche, il y a la moustique. Comment ça se passe du coup? On se lave, on mange. Il faut que je me lave là, parce que mes cheveux, ils vont pas survivre sinon. Et bon, on a fait le massage. Voilà, hein. Voilà, c'est des massages de folie dans ce genre d'endroit à chaque fois. Ça rappelle beaucoup le massage qu'on a eu à Cabo et au Club Med et chez ma belle-sœur. Si vous habitez dans le 06, belleacroquet.com, super site que Nico a encore optimisé lors de notre vol pour venir ici. Hein. Mais maman, il est quelle heure? Il est, je ne sais pas. Quelle heure est-il? Il est 18h07. Le soleil se couche à 18h ici, c'est tellement tôt. Bref, voilà, c'était trop bien. Hein. Voilà, on est tout huileux, par contre, mais ça fait, c'est tellement bien. Bon, par contre, moi, j'ai un problème avec le lâcher prise. J'arrive pas à penser à rien et à penser pas. Il faut que je fasse ça, il y a ça à faire. Non. Oh, d'ailleurs, j'ai eu une super idée d'épisode de podcast. Oula. Rien à voir, mais j'ai une super idée. Pour, c'est encore un truc avec mes abonnés qui m'envoient des témoignages. Trop bien. Je suis trop contente. J'ai une super idée. Pendant que je me suis fait masser, tout est normal. Je pense à mon podcast pendant que je me fais masser. Oui. Bref, écoutez, on va se laver et puis on va aller manger. On n'a pas goûté au final, Lana voulait une glace, mais on n'a pas pris le temps. Et voilà, bah écoutez, je vous retrouve après. Il faut que je fasse mes cheveux parce que c'est une catastrophe. J'arrivais pas à enlever le chouchou avant que la dame ait tapé à la porte et du coup j'ai tiré très fort dessus. Je crois qu'il y a la moitié de mes cheveux qui sont partis avec. Bref, faut que j'aille les laver. Je pense que je vais les tresser. Je vais plus y toucher du séjour, quoi. Enfin, je coupe prochain lavage. Allez, à toutes. Alors, j'en profite pour vous montrer la situation de l'hôtel. Donc, elle est pas mal faite. Donc, des fois, les retours arrière sont relous. Donc, ça, c'est tous les restaurants. Et donc, ça, c'est le resto où on est. Il y a à manger, là, c'est. Ah oui. Donc, on est un japonais où il y a le spectacle, là. Enfin, donc, ben, nous, du coup, on n'a pas de plaque. On n'a pas de spectacle, nous. Et bref, du coup, tu peux consulter le menu parce qu'ils ne donnent pas de menu physique. Et tu peux bah, choisir ce que tu veux, en fait. Voilà, désolé, la solitaire, voilà. Tu peux choisir ce que tu veux, il y a les photos. C'est là qu'il ne faut surtout pas faire retour arrière quand on ferme tout. Faire la petite tour, voilà. Ah, voilà. C'est, elle est assez bien foutue, l'application. Et évidemment, c'est gratuit. L'application est gratuite et le repos aussi. Là. Bref, j'ai faim. Regardez l'arnaque. Donc là, il y a les soupes, les entrées, les salades. Après, il y a les desserts. Donc là, tu te dis la carte est bientôt finie. Le menu des enfants. Et là, tu as une photo, tu te dis bon, c'est fini en fait. Et en fait, les sushis, ils sont après. Genre ils sont cachés quoi. Genre, c'est pas abusé. Genre, moi, c'est ça que je prends quoi. Et en fait, si j'avais pas scrollé jusqu'en bas, et ben, jamais je les aurais vus. Ils ont mis les sushis après le kids menu.
pris les desserts. La bulle, et ben non, on a trouvé. Non, non, non. Voilà. Bon, bah, ce soir, c'est japonais, hein. Nico a décidé de tester pas mal de plats. C'est quoi, ça? Je sais pas, c'est des tempura, je sais pas. Banana roll. Chicken, je sais pas quoi. Bon, là, on vous dira pas ce qu'elle mange parce que c'est la honte. Pascal. T'es trop américaine, ça suffit. Ça suffit, Lana. Ouais, elle va goûter un peu parce que là, c'est pour Lana, mais je sens que je vais l'aider. Qu'est-ce que c'est? C'est tapioca cochon. Ça m'intrigue. Je goûte. Il y a un enfant qui est allé jouer dehors, et on l'appelle. Elle est bien. Elle a bien. Elle a vu le canon. Bon, en fait, il y avait un côté grillé. Nous, on a mangé japonais. On a mangé japonais, il y avait un super fresh country grillé. C'est incroyable. Il y a du fromage et tout. Bon, bah... On va manger un gâteau au chocolat. Oh, il y en a là, il y a des plats. C'est dingue, c'est complètement loupé ça. Ouais, j'arrive. Oh, il y a un spectacle de Thanksgiving en fait. Bon bah écoutez, je vous retrouve pour la conclusion. La bouffe elle est vraiment bonne ici hein. Clairement là le resto japonais ce soir, le saumon il fondait dans la bouche, enfin, c'était incroyable la qualité de la nourriture. Là du coup on s'est fait le petit buffet Thanksgiving. On a juste mangé du fromage, Lana elle a mangé plein de fruits pour compenser notamment son dog, c'était pas plus mal. Enfin voilà, on a en regrignoté parce que c'était trop tentant, mais ça avait l'air super bon, on était même pas au courant qu'il y avait ça en fait. J'avais vu qu'il y avait un spectacle de Thanksgiving, mais je savais pas qu'il y avait aussi le repas avec. On est arrivé trop tard. En arrivant, on a vu le monsieur là que j'ai filmé, et puis c'est tout. Après, c'était fini. Il y a aucun moustique. Je tenais à le préciser parce que là, on est fenêtre ouverte. On a enlevé la clim. Et en fait, on est à la température de dehors qui est hyper agréable. Et c'est vraiment, je le redis, mais l'humidité n'a rien à voir avec quand on était au Club Med. Au Club Med, si tu coupais la clim, j'avais dû vous le dire, mais t'avais le sol qui était trempé. Et là, c'est vraiment pas aussi humide et c'est trop agréable. Il fait vraiment pas trop chaud, il fait pas chaud, pas froid. Je suis en sweat parce qu'en fait, je suis sortie les cheveux trempés et que j'avais un peu frais parce qu'il y a du vent. Mais là, j'ai chaud d'ailleurs. De toute façon, je vais aller me coucher. On va se coucher, il est pas trop tard, mais... On a un petit peu éclaté, même si... N'empêche que j'ai fait 10 000 pas. Hein. Je sais pas à quel moment j'ai réussi. Après, j'ai nagé. Ah, j'arrive pas. Cette montre, elle est géniale, mais pour afficher l'heure, c'est compliqué. C'est un peu dommage pour une montre. Il est 21h16. Et on va au lit parce qu'en fait, demain, on se lève... Demain, il faut être dans le lobby à 7h du matin. Bon, je vous raconterai tout ça demain. Mais en gros, Lana va partir avec une babysitter. Parce qu'en fait, le Kids Club ouvre à 9h, donc bah voilà. Et nous, on va aller dans notre navette pour aller faire nos deux plongées. Une dans un corail, dans un reef, dans un récif. Et une autre avec les tortues. Non, dans une épave. C'est ça. Il n'y a pas de tortue demain. Ou, c'est après-demain. Il est très probable que nous rencontrions... Ou très probable. Bon, en tout cas, il y a des chances qu'on voit des raies. Je vous tiendrai au courant dans le vlog de demain. On espère que le vlog, il vous a... À deux, tout de main. Ebi, on espère que le vlog vous a plu. À deux, Ebi. C'était bien cette journée? Oui. Qu'est-ce que t'as préféré? Le toboggan. Ben moi, c'est le massage. Et moi, papa? Et papa? Bah, tous ensemble, le toboggan, c'était rigolo. Le massage, c'était sympa. Qu'est-ce que je veux dire, Nico, il vient d'arriver. T'as réussi à réserver le Japon, oui, demain? Demain, 7h15 du soir. Ah, il faut que tu me donnes mon téléphone que je note. On a réservé pour le même restaurant japonais, mais il y a une partie où il fait le... Je sais pas comment ça s'appelle. Le spectacle, là, où il cuisine avec le feu et tout ça. Dans toi, sur une espèce de plancha. Ouais, bah j'ai déjà filmé un moment, je sais plus dans quel vlog j'avais filmé ça, mais bon, de toute façon, vous l'aurez dans... Hein? Vous le... Oui, parce qu'à un moment il fait wouhou quand il y a le feu. Enfin bref, je vous filmerai ça demain, ça sera dans le vlog de demain. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé et bah demain. Et le vlog il sera publié certainement pas le lendemain, mais certainement quelques jours après.